C'est la première fois, Madame Barbivai, Orna Barbivai, que vous venez au Maroc. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Pourquoi allez-vous revenir? Tout d'abord, je viendrai encore une fois avec ma famille, mes enfants. Je viendrai avec mes enfants. Je suis venu avec mon mari, mais c'est très important que les enfants viennent. Quel pays magnifique c'est. Nous allons visiter le tombeau de le père de mon mari, qui est marié, Rabbi Yaakov Barbivai, qui est enterré ici. Et c'est très émouvant pour mon mari, qui a perdu son père à l'âge très, très jeune, quand il était bébé. Et je suis très ému de l'accueil exceptionnel pour moi, de la manière que, sans parler politique, en fin de compte, il y a une rencontre entre des êtres humains. Et quand les êtres humains se rencontrent, il y a énormément d'opportunités. Je me sens chanceuse d'être la représentatrice d'Israël pour signer cet accord pour la première fois, qui sera l'infrastructure pour les bonnes choses qui viendront par la suite.